Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc aujourd'hui, on va faire une livraison un peu plus longue. Déjà, il faut que j'aille. Excusez-moi, ça fait un petit moment encore que j'ai pas joué au jeu. Toujours Volvo. Allez, on va dedans. Hop, c'est parti. On va aller chercher du boulot. Allez, go. Ah, il fait beau comme dehors là, c'est bon ça. Donc, j'ai eu un petit bug sur le jeu qui m'a fait recommencer ici alors que j'étais pas dans cette ville à la dernière vidéo, mais bon, ça arrive des fois. On va essayer de faire une livraison un peu plus longue. Pas de grande livraison, on fera plusieurs alors. Ça va où ça? Bon, on va aller livrer des petits pois. Allez, go! On va parler, hein. Je vais le poser. Heureusement que ça brûle bien le camion. C'est parti. Non, je passe quand même. Ils ont des freins les autres. Bon, le jeu risque de me moins laguer vu que j'ai augmenté mes RAM dans mon ordinateur. De 6 Go, je passe à 12, donc ça devrait le faire. Ah, seulement. Je peux passer quand, moi? Allez, s'il vous plaît. Je veux passer. Merci, tu t'arrêtes. Allez, je m'incruste. Bon, je passerai jamais. Oh, j'ai trouvé pourquoi sur YouTube mes vidéos passaient pas en écran total. Parce que j'utilise comme monteur vidéo. Windows Maker, qui est de la merde, mais bon, c'est gratuit donc je vais pas me plaindre. J'utilise ça et du coup, j'avais pas mis l'option pour mettre en plein écran pour les autres résolutions. Donc maintenant, j'ai vu que sur GTA V, que j'ai fait une petite vidéo découverte et que ça passait en plein écran, donc tant mieux. Voilà. Et là, je vais mettre Diablo 3 aussi sur mon ordi. Je vous ferai certainement des vidéos dessus.
faut aussi que je vous en fasse sur Farming, sur City Skyline. Après, j'avais téléchargé un jeu pourri sur. Comment ça? Sur une base, sur Lunaire là. C'était gratuit, mais je comprends pourquoi. Franchement, c'est de la merde. 90 régulateurs. Tac. L'option royale. Donc, on va attendre d'endormir sur la route. Et j'enlève. On va faire comme on voudrait pour les poids lourds. On va prendre le plus à droite possible. Allez, avance Marcel. Laisse-moi passer. C'est toujours pas un foudre de guerre le camion. Dépêche-toi la voiture. Citroën C4. Oh, je suis fatigué déjà. Ouais, les cars ils ont droit de rouler à 100 sur l'autoroute et pas nous. Ils font chier. La manette a fait du bruit. Que c'est long. Par contre, je vois, comment dire, je pourrais faire de moins en moins de vidéos vu que je suis rarement chez moi. Et que je vais reprendre le travail. Mais bon, j'essaie de vous en poster une régulièrement. Ça m'étonnerait que j'arrive à doubler, mais bon. Ah si, tu tournes. Hi-hi-hi. Ouais, je regarde si je peux pas mettre plus de graphisme maintenant, non. J'ai augmenté les RAM. Vu que ça saccade même plus quand j'enregistre, donc c'est cool. Bon, plus que 142 km pour nos petits pois. Même pas 35. Faut que j'augmente un peu ce camion.
Aïe. Ah là, t'es sûr. Faudrait pas assez pour le camion. Soixante, excusez-moi. J'étais à mes feux carrément. Ah, farming simulator. Je préfère que le feu, ça peut être mieux. Oh, t'as pas l'air de doubler toi. Ça fait pas mal de bruit comme ça. Je préfère comme ça. On entend mieux. Et moins le moteur surtout. Faites comme en vrai. Ouais, j'ai pas téléchargé la DLC car vu que je suis qu'au début du jeu, ça me sert un peu à rien. Je fais pas assez de long trajet pour. Malgré que j'aimerais bien vous faire un épisode là où je traverse toute la carte avec une livraison. Donc il va falloir que je travaille enfin, la longue distance. 60. Mais pour ça, il faudrait que j'ai un meilleur camion ou un meilleur moteur. Est 5h38. Et 80 km, on arrive dans 1h15 à peu près. Doubler la silva. Oh, ça rame 65 quand même. Faut accélérer un peu plus. On fout des limitations. C'est qu'un jeu. Allez, go! J'ai cramé un feu, je savais même pas qu'il y en avait un. Ah oui, le feu. Ah mince. Le feu de chantier. Garde-toi. C'est bien. Je trouve après, il va me cramer. Voilà, éloigne-toi, c'est pas mal. Merci. Allez, à fond.
fond, 94 km/h. On entend bien les bruits dedans, je trouve, quand ça bouge et tout, on entend le craquement. Enfin, moi, avec le casque, j'y entends bien. Première livraison. C'est chiant, je vois le timer à l'envers de l'enregistrement. Je contourne bien niveau image. Ah, bon, il faut que je tourne. Et sachez qu'avec un polo, il faut prendre l'extérieur même si on tourne à gauche. Allez, avancez là. Normalement, il faut prendre tout à l'extérieur, mais là. J'ai pas envie de faire comme en vrai avec l'autre qui ramène juste devant. Par contre, on ira dormir avant de prendre la deuxième livraison. Ich. Ça devrait le faire. Ça l'a pas fait. Trop loin, tourne trop lentement. C'est chiant. Je trouve qu'avec une manette, c'est trop mou les commandes pour accélérer, freiner et tout. Ça a un petit temps de latence. C'est chiant. Enfin, j'ai pas trop de plaintes, je peux y jouer donc c'est déjà pas mal. Pas dû passer loin. Ich. Il fait beau. Ça braque, ça braque. Mince. Je me suis trompé de côté. Trop tard, je pense. Ouais, carrément. Allez, recul. Marche avant normalement. Tourne de l'autre côté. Tac.
Allez, tranquille. C'est bon. Dites-les. Alors, marché du travail. Offre de frais. Je suis ici. Alors. Allez, on va aller aux Pays-Bas vite fait. J'enlève le frein main, il me paraît que c'est mieux. Ah, je crois que c'était de l'autre côté. Enfin, bref, on va pouvoir y arriver par là. Bon, t'avances avec le 4M. Allez, en route pour les Pays-Bas. Le premier truc pour dormir, point parking, on s'arrête faire dodo. Que 4 heures, donc ça va, ça vous fera de livraison dans cette vidéo. Non, ce sous droit, je vais prendre à droite maintenant. Ah, je peux, n'empêche. Allez, gauche, tourne à droite. Ça a poussé un peu derrière. Fatigué un peu mon chauffeur. Ouh là là. Un côté qui avance pas, l'autre côté qui tourne. J'ai pris à l'arrache le rond-point là. Excès de vitesse, lag. C'est pas
pas bon sort. Heureusement qu'on ne doit pas gérer notre permis à points parce que alors là. D'ailleurs, ouais, c'est dommage, ils auraient dû mettre. Et là, j'ai pris quoi en fait? Des cuves? Ouais, réservoir pressurisé, ça fait. Combien de tonnes? Je sais même pas. Bon. Pas grave. Pas marqué. Bon. Je vais plutôt rester derrière parce que je sens l'accident entre moi. Oui, on arrive sur l'autoroute, il doit y avoir un air de repos quelque part. Les effets de lumière, je trouve ça magnifique. Excusez-moi pour cette vidéo, je conduis un peu à l'arrache à vrai dire. Mais oui, tu vas bientôt dormir. Joli, c'est pas mal les stations service comme ça je fais le plein en même temps. Oui, 3% de dégâts, c'est pas mal, c'est neuf. F5. Ah, il y en a une un peu plus loin. On va la tenir jusqu'à là-bas. Ah, ça me flotte. Oh non, mon ciel bleu. Bon, dehors, moi, ça flotte pas. De remettre un bouton pour recentrer la vue, parce que c'est un peu chiant. Oui, je vais me reposer, t'inquiète pas. Alors, je trouve que c'est l'air un peu là l'allure. Autant me prendre une amende parce que je conduis trop. Avance, avance, avance. Ah, c'est juste là. Ça ralentit, ça 200 mètres. Ouais, sur le côté.
va faire le plein et on va se garer. Ich, pas loin là. Faut que j'arrête le moteur et entre 1,50€ le gasoil. Putain, c'est cher ici. Là, c'est marqué 44 et je paye 1,50€. Tout quoi, c'est un mec. J'ai soif. Faut pas bien le faire là. De le dire. Même déjà chercher dessus. Un truc, voir ça marche. Non, ça marche pas. Je vais me garer dans l'autre sens. Starlink. Les freins qui vont de temps. Ça veut pas. What's un mec. Bon. Maintenant ça veut. Ah, ça va être marrant de faire une moto de course. Ouais, ça passe, nickel. Glace à fond. Bon, 3h30 après cette aventure pour pouvoir se garer. Cette merde, putain. Chauffeur de route, ouais.
pratiquement 6h du matin. On devra arriver vers 9h30, un peu moins. Parce que je vais tracer une gare. Wow, on voit la mer, c'est royal. On met une vue d'or. Les vagues sont bof, elles comparent à GTA 5 par contre. Enfin, normal, pas le même budget. Rallye en camion à fond tout le temps, on va essayer. On doit faire 1400 litres, je pense, le réservoir. Oh putain, deux camions, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Je tente. Je suis un fou. Why? On sera pas ici. Pas grave. C'est plutôt une ligne blanche qui contresens, mais bon. Alors j'aime pas, je double à 90 alors que je suis limité à 60. On lève juste infraction contresens. C'est marrant, j'entends même les bruits de la cabine. Allez, en double. Je vois rien, mais en double. À force, je vais me prendre une bagnole ou un camion en face, ça va me faire drôle. Graisser la cabine. Mais avant, ce serait pas mal que je change de moteur. Un petit 700 chevaux, ça me dirait bien. Ça fait long, mais c'est faisable. Oh, je vais sauter là. Ça va encore. Tout droit. De toute façon, on peut pas aller à droite. Ça vous fera une longue vidéo aujourd'hui. Une vidéo d'un peu la nappe par choc. Mais bon. Quand on voit même pas ses pieds, ils sont encore. On est invisible. Il y a juste un camion en face, alors rabats-toi. Salut. Je peux enlever le feu de route, comme ça je peux leur faire ça. Wata. Ça tourne bien les camions. On va peut-être freiner un peu. L'autre fois j'ai voulu prendre un virage très vite et j'ai fini sur le côté. Et braque. Ouais, c'est bon, il y a un peu de glissière.
Toi, tu as. Il freine même pas ce connard. Régulateur enclenché. On vient d'entrer dans les Pays-Bas. Plus que 46 minutes et on est arrivé. Y a du vent, je sens même pas. Ah, ça aussi, j'aurais pu le mettre. On affronte au braquet quand il y a du vent et tout, qu'on doit gérer la hauteur de nos marchandises, qu'on peut pas passer sur toutes les routes, qui est aussi la température extérieure joue sur les performances du camion, sur les états des routes, et que quand il fait trop froid, on peut pas passer sur certaines routes. Pour les barrières de DDGL, je crois. Ouais. Barrières de DGL, ouais. Un peu trop là. Voilà comment on s'en sert avec 38 heures. Rotterdam découvert. Alors mettons les phares, pas ça, juste mettre la veilleuse. Tac, on sort là. Oups, un feu rouge. Mercedes, j'aime pas. Pas pour moi. J'ai déjà ma marque préférée. Ah, camion, j'ai trop trop changé. Ou les man aussi, ils sont pareils. Ou Scania. Tout sauf Mercedes. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Tout sauf Mercedes. Le temps qui sert à rien vu qu'il tourne de l'autre côté. Non, vu que vous roulez pas, moi ouais, j'y vais les gars. Ça doit être là. À mon avis, personne. Je tourne. Oups. Une petite cascade pour l'arrivée.
Allez, recule, mon petit zigoto. Ça va mieux que la première fois. Hop, on va enlever le bip bip. Ouais, bon travail. C'est déjà pas mal. Bon, on va laisse virer et on va réparer le camion. Et ce sera fini pour nous. Allez, go, c'est juste à côté. Faites gaffe, je suis un dangereux, moi. Faites gaffe. Oui, mange pas. Faut leur faire ça tout le temps. Je pense que c'est des gens qui les yeux, ça. On va réparer. 2000 euros, wesh. On va se garer et on va cesser. Et voilà. FH. Bon, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu et je vais essayer de vous en faire d'autres dans pas très longtemps. Bon, je vous dis à plus les amis. Ciao.